Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord. Jeudi, nous c'est lundi 6 mai 2024. Bienvenue dans la première édition Journal Créole, nous, qui a présenté au Pazamé Jerry Cherestal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington, D.C. Pour dominer l'actualité dans la région Moyen-Orient, ça s'est fait dans Gaza. Toujours dans le passage après Israël rejeté un accord Hamas dérivé accepté. Président Joe Biden dans le pays États-Unis recevoir dans la Maison Blanche Wa Abdulade pendant que Xi Jinping, le président chinois, trouvé dans le pays la France avec le président Emmanuel Macron dans le cadre de visite en Europe. Actualité dans le pays d'Haïti, conseil présidentiel en transition toujours dans l'impasse. Côté jusqu'à présent, il n'y a pas capable de river joindre entente finale sous choix coordonnateur Edgar Leblanc-Fils et Fritz Belizer comme premier ministre dans le pays d'Haïti. C'est tout point ça yo avec divers autres. Nous va gagner pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal ça, restez connecté avec nous, yon façon pour bien informer pendant observer une poussière pause. Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal Zila. C'est ce fait dans Gaza, guerre lui-même qui toujours a continué en temps Israël ensemble avec eh bien militants Hamasio, une guerre qui a commencé depuis le 7 octobre 2023, guerre ça qui la cause yon latrie moun déjà mouri, yon latrie moun kidnappé, habitant Hamasio même qui kidnappé yon plus que 250 ans et israéliens et palestiniens, et bien israéliens même sorti pour quelque part et bien touyer majorité et bien palestiniens qui gagnent dans guerre là, et bien après gagnent et secrétaire général Nations Unies lui-même qui c'est c'est Anthony Blinken qui était débarqué dans Moyen-Orient. Il y a une façon pour que capable de jouer une entente entre Israël ensemble avec Hamas. Semaine qui s'est passée, et Israël n'a pas accepté pour qu'il gagne Gaza lui-même, qui n'a pas accepté pour qu'il soit capable de jouer une selfie de bon côté. Proposition que Israël lui-même l'a fait. Et gagner Hamas tout lui-même qui pas accepté pour qu'il soit capable de libérer otages israéliens en dedans Palestine. C'est la cause, il y a un secrétaire général là qui était obligé de retourner dans le pays États-Unis sans que lui-même n'ait pas de bonne réponse. Bon côté, il y a deux pays. Et bien, fois ça, c'est le fait à lui-même dans Gaza, il a trouvé dans un impasse extraordinaire. Déjà gagné Israël qui rejeté yon accord côté que Hamas lui-même li t'arrivé accepter, et ben li veut pas accepter, c'est parce que amis internautes, et parce que Gaza lui-même li pas accepté proposition cessez-le-feu que lui-même li te fait la semaine qui te saute passé. Gen président Joe Biden bon côté parlant jodi a qui recevoir nan moi nan Maison Blanche Wa Abdullah 2 et Wa Abdullah 2 nan même cadre guerre ça qui gagné en temps nan même grand gros Gessa qui gagnait mes amis internautes pendant que Xi Jinping lui-même qui c'est président chinois qui trouvait dans le pays la France côté que lui-même dans une visite en Europe que lui-même lui a fait, eh bien gagnait directement président français Emmanuel Macron qui recevait le temps pour un roi, eh bien deux façons pour comment que yo capable mettre tête ensemble pour capable réaliser ça qui eux-mêmes yo doit réaliser. Et conseil présidentiel là dans le pays d'Haïti qui trouvait là dans une impasse extraordinaire qui jusqu'à présent population lui-même li attendant pour qu'elle capable joindre un bon résultat dans mes conseils là, et conseil la vienne trouver pas capable travail Jacques pour le travail parce que choix coordonnateur, soit coordonnateur qui c'est Edgar Leblanc-Fils ensemble avec Fritz Belizer, et bien c'est qui un gros casquette chinois lié pour tout le monde qui trouve en dedans conseil là, parce que choix ça il représente les amis internautes yon pierre d'achoppement pour tout le monde qui en dedans conseil là, et population lui-même bon côté parlant li attend qu'il est pour ta joindre un bon résultat qui sorti bon côté conseil présidentiel là, et yo trouve yo dans l'impossibilité pour qu'il soit capable de travailler à cause de mâchoire gonflée qui gagnait en dedans conseil si là. Yon l'autre côté, zami internaute,
gagnent la police nationale d'Haïti qui arrêté 3 individus, 3 kidnappés en dedans Gonaïve. 3 kidnappés ça yo yon a yon te gagnent possible capable recevoir eh bien l'argent otage là lui-même famille gagne pour le porter et la police nationale d'Haïti lui-même beaucoup de parlant qui te fait yon seul pour qu'elle capable accompagner famille victime nan et accompagnement ça t'a permettre que il t'arrive poser la patte sou yon nan individu et lui-même qui t'a pral bail l'autre deux individus l'autre deux kidnappés qui t'arrivé eh bien kidnappé yon jeune timoun yon ti fi qui se nièce yon avocat en dedans go naïve. De l'autre côté, les amis internautes, mon pajam suspend, eh bien, victime dans Badelma, gagné, yon même yon yon pote plainte contre la police nationale d'Haïti qui empêche l'eau entrée en dedans Badelma, yon façon pour que yon capable de jouer pour yon fonctionner, eh bien, la police yon encore continue chanter coup de balle dans un petit chat qui yon même yon fait comprendre que la police nationale d'Haïti yon débarqué avec yon chat pour venir tirer sous moun yon dans Badelma, yon empêche yon sauter pour que yo capable al chercher monsieur la manger yan pou bayan madame appétite ça a été une situation qui extrêmement compliquée pour moun yo en Badelma moun Delma qu'on profiter à manifester pour dénoncer comportement la police dans ça qui gain awe ensemble avec chante balle sous moun yo en dedans Delma. Voilà madame mademoiselle et monsieur c'est tout point ça yo à divers lot nous te rivé développer pour dans journal ça rester connecté avec nous yon façon pour bien informer pendant n'ap kito ensemble avec VOA Creole pour plus d'informations et pour plus de détails. C'est rendez-vous info qui passe sorti lundi pour arriver vendredi et jeudi à ses premiers sorties. Nous, moi c'est Jacques Lebelizer, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité dans la région Moyen-Orient, cessez le feu dans Gaza, toujours dans passage après Israël rejeté un accord Hamas accepté. Toujours dans l'international, le président Joe Biden accueille dans la Maison Blanche roi Abdullah II pendant que Xi Jinping, président chinois, trouve dans le pays la France avec président Emmanuel Macron dans le cadre d'un viré-ron en Europe. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, conseil présidentiel transition, toujours dans l'impasse côté jusqu'à présent, il n'y a pas arrivé joindre en tête finale sous choix coordinateur Edgar Leblanc-Fils avec Premier ministre Fritz Belizer. Et puis dans le pays de la France, c'est la mort Bernard Pivot, yon grand figure télévision et littérature. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre corps, nous pral développer pour nan petit moment mais gros point actualité internationale là, c'est difficulté pour joignon cesser le feu dans guerre Israël Hamas là. Et ben Hamas fin accepté yon accord dans cadre et entente qui gagne entre lui-même avec Qatar. Et ben Israël lui-même bon côté pas rejeté accord là. Donc ça fait que et ben situation vin difficile pendant ce temps grand pile en pile et pression qu'a fait concernant une opération éventuelle que Israël t'a mené dans Rafah côté gain plus passé 1 million et demi même et palestiniens qui trouvé dans zone. Pendant ce temps ici aux États-Unis même gain étudiants pro-palestiniens qui continuaient à mener manifestation qu'a fait manifestation dans plusieurs campus. Nous allons rejoindre Valérie celui depuis New York. Te blousa et manifestation yo nan campus université américain yo baissé après que président Joe Biden t'ait parlé sous question. En effet, après que la Maison Blanche t'ait lancé des directives sévères pour rétablir l'ordre à travers discours président Joe Biden t'ait fait, manifestation pro-palestinien yo qui t'ait bouleversé campus université américain yo pendant plusieurs semaines qui sont passées là yo t'ait dispersé à campus force après une série d'affrontements avec la police qui t'ait fait plusieurs arrestations. Dans Manhattan, New York, depuis le commencement du week-end, la police a nettoyé un campement étudiant dans New York University. Un officiel de l'école a affiché une vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait manifestants qui ont sauté en battante. Et la police qui a déblayé l'espace là après que ont bâillé l'ordre pour déplacer. Jeudi, l'espace côté manifestation de fait paraît relativement calme. Comparé à des blousailles qui étaient faites dans l'autre campus à travers le pays et à travers le monde, côté que manifestation contre la guerre peuple Israël à Hamas dans Gaza t'est multiplié dans la semaine qui s'est passée là. Administration universitaire qui t'a essayé de balancer entre droit pour monde protester avec complainte que y'a recevoir pour actes violence, actes discours, raïssement, incitation à la violence, t'es de plus en plus obligé officiel de faire appel à la police pour retirer manifestants avant déroulement examen fin d'année. Ak cérémonie graduation yo. Dans University of Chicago, président l'école là te dit chita parlé ak manifestant sous compromis a te échoué. Et il te indiqué que université a te obligé intervenu dans yo camp étudiant pour joindre résultat. Et même jour, plusieurs douzaines étudiants contre manifestants
drapeau nan main yo, te débarqué sous campus l'école là pour confronter groupe étudiant manifestant pro-palestinien dans l'école là. Mais heureusement la police est débarquée pour venir séparer deux camps yo, selon sa média local yo rapporté. Plus passé 2000 arrestations t'es faites pendant deux semaines qui sont passées là yo à travers pays États-Unis. Président Joe Biden qui t'a fait face à pression politique sous conflit à Gaza, t'es parlé pour première fois sous mouvement manifestation étudiant yo jeudi passé. Il t'a dit que l'ordre doit dominer. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. Nous pas une nation autoritaire côté que nous fermons bouche moun. Biden t'a parlé comme ça dans une adresse courte que t'a fait dans Maison Blanche là. Il a ajouté. Neither are we a lawless country. We are a civil society. An order must prevail. Mais tout nous pas un pays sans la loi. Nous c'est une société civile et puis l'ordre doit dominer. Officiel l'école te dit que yo te arrêté plus passé 200 moun qui t'a manifesté depuis après discours président Joe Biden. Républicains ont critiqué président Joe Biden pour trop tolérance li sous ça yo dit qui c'est sentiment antisémite dans mitan manifestant yo. Pendant que président t'a fait face à qui opposition dans propre parti pali pour sipoli pour offensif militaire Israël là. Pendant ce temps, manifestation étudiante est branchée dans plusieurs pays à travers le monde, tant qu'on a Australie, la France, Mexique et Canada. N'a rappelé que la guerre Gaza a commencé les militants Hamas ont organisé une attaque sans pareil sous peuple Israël là dans date 7 octobre là. Ça qui était la cause la mort plus passé 1170 moun, surtout des civils. D'après un officiel israélien, peuple Israël a estimé que 128 otages rete dans Gaza. L'armée israélienne dit 35 là-dedans yo mouri. Yon l'autre bord représailles offensives Israël a touye plus passé 34 600 moun dans Gaza. Parmi yo te gen surtout femmes ak ti moun. D'après ministère santé territoire Hamas la a dirigé. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et puis mise à jour concernant guerre Israël Hamas là, c'est que Israël fait rejeter une proposition que Hamas saute lui-même accepter. Israël dit c'est une proposition qui est inacceptable. En allant ça pibri. Yon gros suspense continue à peser sur Rafah après Israël rejeté. Yon proposition Hamas te accepté nan yon entente cessez le feu Qatar ak Égypte fèl avec objectif pour suspendre guerre Israël Hamas la qui rentre nan 7e mois. Annonce a fait nan moment palestinien yo nan l'est Rafah te commencé à abandonner ville la après Israël passé l'ordre pour évacuer zone nan. Gen plus passé yon million palestinien qui prend refuge nan Rafah. Autorité israélien yo croit que gen plusieurs milliers militants Hamas qui caché dans zone nan ak otage. Vendredi passé, les États-Unis ont déclaré yon attaque dans ville là qui tout près Égypte capable mette en danger la vie plusieurs milliers moun. Israël continue dit yon opération dans Rafah nécessaire pour détruire Hamas tandis que États-Unis, Nations Unies ak pile l'autre pays, eh ben yo bay état hébreu yon pinga contre possibilité yon catastrophe humanitaire si vraiment li ta mené yon gros attaque terrestre dans zone nan côté moitié population Gazaria prend refuge. La Maison Blanche fait connait Président Joe Biden parle dans le téléphone jodi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sous dossier. Ministre de Défense américain Lloyd Austin te parlé tout sous une conversation qui a gagné hier dimanche là sous question avec Tokay israélien. Il a parlé de ministre de Défense israélien Yoav Gallant. Guerre Israël Hamas là, c'est une question qui prioritaire tout dans rencontre président américain Joe Biden qui a accueilli jodi lundi à dans Washington Wa Abdallah Jordanie pour chita parler dans la Maison Blanche. Wa Abdallah t'est déjà rencontré semaine dernière avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Amman côté où t'es abordé GFO pour joindre un cessez-le-feu dans Gaza entre Israël et Hamas sans oublier GFO jordanien yo cap voyer assistance humanitaire dans Gaza et au même tout y a essayé joindre la paix durable dans région avec cohabitation de état yo dans conflit israélo-palestinien. Faut dire que président Joe Biden ak Wa Abdallah t'est abordé sujet ça dans une réunion en février passé dans la Maison Blanche. Et puis actualité région Moyen-Orient est présent tout dans une rencontre d'état entre président chinois Xi Jinping ak président français Emmanuel Macron dans le pays la France à côté guerre en Ukraine que vous avez parlé de l'itou et question commerciale. Visite Xi marqué 60e anniversaire relation diplomatique entre la France ak la Chine. Ces premières étapes yon vireront en Europe depuis l'année 2019, voyage qui pral mener tout dans Serbie ak la Hongrie. Président Xi gen pou le faire yon chita pale jodi a nan ville Paris ak chef commission Union Européenne Ursula von der Leyen après li ta pral participer nan yon banquet que président Macron organisé nan occasion visite d'état ça. Et oui, tant nouvelle et ben actualité dans la région Moyen-Orient, et ben yo toujours dans plusieurs points dans
planète là. Et puis l'autre point actualité à et actualité internationale, nous parlons d'Amérique latine côté que pays Panama lui-même li pral gagne un nouveau président ak yon politique surtout qui différent sous question immigration. Marie-Louis Pierre. José Raúl Molino te dit que l'été pratiquement prend retraite li nan politique, sa gagne yon ti kras plus passé 6 mois. Kounye la, li élu président Panama pour 5 années kap vini yo. Pendant l'été campé devant yon paquet de supporters dimanche soir, Molino te dit « Non m'imaginava este scénario ». Moi, pas de jamais imaginer ça. Dans une élection historique qui était gagnée en pile tête chargée la donne, résultat préliminaire mettait Molino devant pour diriger Nation Amérique centrale là, qui, dans un moment côté, qui gagne tension politique, problème migration historique, avec une économie qui en difficulté. Avocat qui gagne 64 ans, qui dernier position dans politique, c'était comme ministre sécurité dans administration président Ricardo Martinelli dans l'époque 2009 à 2014. Au commencement, ancien leader populaire était utilisé pour vin compagnon candidat li après madame Martinelli était refusé. Mais le ça, Martinelli était disqualifié dans course là après il était condamné pour le passer plus passer 10 l'année dans prison pour une condamnation pour blanchiment d'argent. Molino était prend place li et il était fini par gagner élection présidentielle dimanche à 35% vote yo ak yon avantage 9 points sous adversaire ki pi pre li a après li te esquivé défi constitutionnel pour propre candidature li. Président élu a arrivé là ak support solide nan même Martinelli sans manque outil ki pi important nan campagne Molino a pendant li te monté popularité ancien leader du feu a nan victoire li a. Pendant que li manqué charismatique Martinelli a boom économique yo te wè en bas allié li a te poussé en pile électeur supporté Molino, dans un moment que l'économie Panama a un problème. Ancien président qui était dans l'ambassade Nicaragua depuis février, après les fins de recevoir asile politique, dit confiance qu'il gagne pour Molino, c'est une confiance qu'il a depuis 30 l'année. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. C'était Actualité internationale là et Haïti dans un petit moment. Donc c'est équipe VOA en action. T'as qu'on noté pour maintenant nous parler dans l'actualité. Et en Haïti, habitants Badelma, oui ce matin Bel Air, pour citer ça seulement, manifester dans zone nan pour yo et dénoncer exaction que y a subi en main police nationale. Nous gen sous place dans Port-au-Prince, Massiado Vilmé. Plusieurs citoyens et citoyennes qui ont participé à la manifestation critiquent le comportement de la police à travers une machine blindée institution qui dit qu'il ne peut pas suspendre tirer sur la population civile. Là. Et pas tout le monde va d'Elmar qui a des armes. Et pas tout le monde va d'Elmar qui bandit. Nous sommes là pour la police qui nous tiche. Depuis ce monde va d'Elmar, nous ne pouvons pas jouer de l'eau pour le bruit. Depuis la machine de l'eau rentrée, après que nous avons fait de l'eau, nous faisons retourner. Nous allons mourir dedans à grand goût. Nous ne pouvons pas pour petit nous. Nous ne pouvons pas faire petit commerce. Depuis nous, Tisha, tout le monde s'est boisé. Tisha prend grand monde. Libre jeune femme. Libre petit monde petit. Nous bouquons avec Tisha ça. Parce que nous avons fait 4000 dollars américains pour faire mes tailles Rodelma et Gérald Pétionville. Nous-mêmes, c'est 15 000 gouttes nous avons gagné. 20 000 gouttes, c'est dans le ghetto, c'est là où on va arrêter. On va avoir un capot de jeunes dans le ghetto, la police n'a pas responsabilité de l'homme. L'homme prend, on a des chefs qui ont soit, ils prennent balle dans la bouche, jusqu'à ce qu'ils vont opérer. Je sais, c'est secret. C'est prendre blindé, mettez vous dans blindé, venez tirer sur vous dans le bas d'Elma. Nous-mêmes nous disons, c'est toi, bah, toi, l'État ici. L'élite ou l'État ici pour responsabilité. Si vous êtes à Capel, vous pouvez vous faire une équipe de 18 mètres en deux blindés, vous tirez sur le monde. La police est reposée, nous marcher, la police est nous pas vivre, nous pas sortir, nous bien nous cacher, nous en vrai,
camion de la porte de Manou, pour une petite moune de la porte 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 de la dollars américains, 60 000 dollars américains, c'est dans ma peuple nous cache nos petits pour 2 000 dollars, 3 000 dollars. Pas vrai, les hommes! Journalistes, vous avez des chiens. Nous avons des justices, nous avons des petits chats qui nous ont répondu. Petit chat, pas nous liberté. C'est dans ma peuple la police sortie. Nous pas qu'à voter, privatisons ici, petit morgon, nous voulons pas petit nous manger. Nous devons dire tout. L'école, banque commerciale et magasin qui n'ont pas d'Elma, rete ak porte fermé à cause action gang vivant sans mieux amené dans zone si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Deville, mais pour VOA Creole. Nous t'es en vain, joindre contact avec porte-parole là, Gary Desosier, que nous pas réussi joindre. Donc, n'a pas continué pour nous gagner réaction. Police nationale sous question. Et puis, l'autre point d'actualité a toujours concerné le pays d'Haïti. Zak violence gang armée continue à augmenter. N'importe quoi, ça qui la cause plus moun, courir quitter Kayo. Sandra Lemaire, gain détail. Gang Ameyo attaqué plusieurs quartiers dans Port-au-Prince côté au Boulekay et puis troqué coup d'âme avec la police nationale là pendant plusieurs heures de temps jeudi dans ça qui représentait une plus gros attaque qui déroulait depuis qu'il a été annoncé nouveau premier ministre là. Attaque qui a déroulé mercredi soir dans Solino avec Delma 18, 20 et 24 au sud-ouest aéroport international là. Aéroport a toujours fermé à cause de la violence gang. Oui, intensément. Et là, là c'est des armes très lourdes. Ouais. Donc, c'est une situation d'enfer que nous vivons là. Et que tout particulièrement hier soir, nous-mêmes tout particulièrement, nous sommes en limite 18. Tout est à 18 et 20, 24. Tout environnement net, c'est du feu, c'est balle. On a passé une nuit très très bouleversée avec des tirs énormes pendant toute la nuit. Mais notre Dieu règne encore. C'est chef gang armé G9, allié à Famian, Jimmy Cherizier, un ancien policier que nous connaissons comme Barbecue, qui contrôle les zones côté attaque là, t'es lancé à. La police l'a gué responsabilité à sous dos monsieur à l'autre chef gang pour attaque coordonnée qui était en main 29 février tout partout dans la capitale là, Port-au-Prince. Michel-Ove Pierre lui-même décidé à vivre au Cap. Moi subi. Sou bagay bay gang sa. Bagay gang sa, fè m rete on presque en façon pour m ta courir pour m perdre tête moins pour m relan moué. Mais c'est parce que m gen Jésus qui kembe m toujours là. Moi quitté Port-au-Prince avec un chagrin, avec une tristesse, avec un cœur serré, avec un la peine nan kem à nos jours pour ka fini. Dans Port-au-Prince, parents te kembe men petit yo bien fort et puis prend courri dans direction quelque pami abri qui était déjà chargé koulek ba ak moun. Gen lot ki kite kapital la pou yal chache refuge, nan lot kote yo gen zanmi ak fami. Kounye a ke nouvo leader pran tèt peyi a, Ayisyen mande yo priorize sekurite. Nan mouman gang yo ap vale teren epi vin pi pwisan ak pi bien ame pase PNH la. Insécurité a non seulement la cause plusieurs milliers moun obligés koui kite kayo, men tou li déclenche yo insécurité alimentaire katastrofik. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis toujours sous même dossier, il y a un correspondant au Yves Manuel, lui-même qui t'a laissé parler avec quelques déplacés qui dit aussi c'est pas quelques ONG ou t'as mouru déjà. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. C'est avec un pile difficulté, moun ki kouri kite kayo en bas violence gang armée ap viv sous différents camps déplacés dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. En plus problème infrastructure, déplacé sa yo pa jwenn bourgade de l'État qui viole droit yo gagnen pour yo vivre la kayo en toute sécurité. Certains en déplacé yo qui sorti dans lycée Jean-Marie Vincent dans Tabac, te recevoir week-end passé en visite coalition jeunesse pour intégration. Visite ça, selon Alain Alfred, responsable organisation, visait accompagner si la route qui pif faible dans la société. Certains que tout le monde connaît aujourd'hui, nous gagnons une société côté qui pas bien institution dans l'État qui censé fonctionner. Et alors que la population nous a voir, c'est les gars qui savent faire la loi. Et nous avons
pile compatriotes qui obligés à vivre dans des situations difficiles et qui sont capables de joindre malheureusement accompagnement l'État. Qui donc, son signal qu'on voyait par la communauté, on dit que il y a des Haïtiens qui engagés. Bénéficiaires ont profité occasion pour remercier l'organisation ça, cap milité dans le domaine droit monde. Moi vraiment apprécié ça et me féliciter responsable là qui toujours bam le bois avec mon ça qui dans le besoin qui toujours fait me jeune possibilité la manger et produire nécessité yo. Moi son gros bagaille. Ben petit parti chiche mais nous dit merci avec monsieur Alain avec organisation Cogito. Nous remercier pour cette belle initiative ça te prend pour te bay mon école nationale Jean-Marie Vincent Tiquet ça. Gain plus passé 160 000 monde qui actuellement déplacé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Selon l'Organisation internationale pour migration, moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Docteur Kono Kapabouel, question sécurité, c'est yon un gros défi qui devant nouvelle équipe Ford, l'équipe gouvernementale là, et c'est comme ça que ministre démissionnaire éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maliga t'a parlé avec VOA Creole, quand elle parlait de plan pour gagner un examen officiel malgré situation sécuritaire, l'itinamico et collaborateur nous, Gentil Augustin Junior qui présentait nous un reportage. Dans le cadre d'une interview exclusive, ministre des missionnaires, éducation nationale et professionnelle haïtien, Nesmi Maniga te bay VOA Creole, lui expliquer comment et pour qui ça a bien examen l'État année 2023-2024 là, malgré toute la troublaille qui gagne en Haïti, et spécialement dans le département l'Ouest là. Ministère, te prend décision de remanier calendrier pour parce que visiblement, Jean pays en grande difficulté, même département qui pas trop affecté, eh bien moi j'ai un impossible pour examen officiel yo fait. Nous bay plus temps pour apprentissage continuer. Pendant ministère pour font notre public sorti dans jour qui vient là yo pour expliquer plus bien version 2024 ça nous relé apprentissage dans temps difficile et puis compensation apprentissage dans temps difficile qui ça Haïtien relé rattrapage, mais qui plus que rattrapage. Mais ça pour nous dire, non, Port-au-Prince en particulier, examen, déjà, nous, déjà, on est pas fait dans la même date avec l'autre département. Il y a quelques communes, tout, dans la Tibonite, tu pas fait dans la même date. Directeur départemental, yo, avec direction l'école publique privée, avec association parents d'élèves, yo, même, yo, pas le gain pour, ouais, ensemble, dans qui moment, le apprentissage, vous fait, parce que le ministère peut être focus sur ça, qui date et qui moyen pour mobiliser sans permanent évaluation, qui est même là pour faire examen, l'examen pas possible, non moment examen possible, pour élève qui décide qui paraît pour passer examen. Donc c'est comme ça, son bagage géométrie variable, ça qui paraît pour paraît dans date examen officiel, ça qui peut paraît, continue à prendre jusqu'à ce que année à nous espérer situation sécuritaire pour améliorer dans le jour qui va venir là, pour nous boucler l'année, sinon nous avons des difficultés, parce que nous ne pas souhaiter que le ministère obligé ouvrir l'année l'école là. En deux temps, un groupe qui commence dans le mois septembre-octobre, et un autre mois qui a commencé en cycle hospital, bien que ça fait déjà dans le pays, malheureusement. D'après le ministre des missionnaires, ce n'est pas la première fois que le ministère a travaillé pendant une période de crise. Et fait qu'on est tout, yon ti moun pas obligé de retenir un examen chaque année pour le composer, mais depuis le senti li paré, li ka al pren examen. Le ministère a continué à parer pour que, notamment, nous fassions mettre en place un dispositif en juin 2022 qui est le centre permanent d'évaluation. Il fonctionnait un petit peu à mon modèle en plus l'autre pays prend. Côté que ce n'est pas la convocation officielle qui a composé. À tout moment, on a paré, il doit frapper pour ton district scolaire. Il dit, il me paré pour le passer tel examen. S'il était malade, s'il était peut-être fait mal jour ça, il n'y a pas besoin d'entendre quoi n'est passé, que c'est là l'État pour recommencer à faire examen officiel, là, faire examen, eh bien, si on est capable de faire examen, le parer, le sentir le parer. Dans l'intégralité interview ça, M. Maniga te fait connaître, éducation c'est clé développement. Et c'est un moyen tout qui est capable d'aider à résoudre problème insécurité qui va le terrain tout partout en Haïti. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole.
N'a pas les politiques et conseil présidentiel transition toujours en grande difficulté côté que yopoko ka joignyo entente et totale sous après nomination et coordonnateur conseil là en parlant de Edgar Leblanc fils et choix premier ministre là Fritz Belizer. C'est comme ça différents secteurs a fait pression sous conseil présidentiel transition pour mander chercher joignyo entente entre yo nous gain sous place n'importe prince ou Renan Toussaint. Par rapport à des accords qui enregistré dans mi-temps 9 membres conseil présidentiel transition à cause façon groupe yore les majorité a utilisé pour désigner Fritz Belizer comme premier ministre haïtien mardi 30 mai 2024 là plusieurs personnalités politiques parmi eux ancien ministre Majorie Michel et ancien député Jacques Beauville levé la voix pour mander conseiller présidentiel yo chercher joindre une entente rapide pour débloquer situation. Si on le que conseil là a voyé, ça a commencé à faire nous que nous pouvons ouais sortir nous dans ça nous est là. Quoique que yo pas veulent mettre tête ensemble, yo pas veulent agir ensemble, gens que y a fonctionné, c'est pour que pays à vivre une situation normale. Pays à vivre une situation très difficile. Ça que m'a dit à tout le monde qui composé conseil présidentiel ça c'est garder nécessité en dehors de intérêt de groupe en dehors de intérêt personnel pour mettre tête ensemble pour nous aider le peuple à sortir de ça. Nous montons au conseil avec des partis politiques les forces vives du pays de la nation. Mais donc, une dire, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, c'est pour nous transcender. C'est pour quitter cet intérêt mesquin, puis parler de notre pays, c'est Haïti, parce que le peuple attend nos bagages de lui. C'est eux-mêmes qui vous font politique. C'est politique qui gâte, c'est politique qui pour ranger, c'est même j'aime d'adou faire accident dans la machine. Non. C'est machine qui prend, qui mène à l'hôpital encore pour aller des soins pour la vie. Ancien ministre Major Michel, avec ancien député Jacques Beauville, quoi, nouveau dirigeant Sayo doit réunir les conditions nécessaires pour capable attaquer ensemble problème social et économique. Peuple a souffri malheureux pas qu'à manger malheureux pas qu'à boire malheureux pas qu'à l'école pas gain loisir pas gain cinéma pas gain rien qu'à faire c'est l'insécurité sur toute la ligne donc je veux dire maintenant que faire pas l'autre bagaille pas gain route pas bois s'il y a un conseil qui conseille à mettre à la hauteur des tâches li nous grand pays qui a terre net pas même à genoux pays à plat à terre c'est compréhension nous chaque. C'est compréhension tout secteur politique, social, économique qui vous met ensemble en transcender, en quitter différents que nous gagnons pour une fois nous aider pays à nous aider peuple haïtien si nous disons nous-mêmes. Pendant ce temps, j'ai population braqué sous conseil présidentiel transition qui doit travailler coûte que coûte pour résoudre problème insécurité, spécialement d'après Saoudi, ou Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et qu'on a nous parlé dans Jérémy pour nous joindre l'autre réaction concernant le conseil présidentiel transition avec Mackinson Charles. Plusieurs citoyens dans ville Jérémy bay opinion yo pendant week-end nan sous conseil présidentiel là. C'est cas pour ancien magistrat commune Beaumont dans département grand dans ce pays d'Haïti, Alexis Faveur, même s'il n'est pas fin trop d'accord à question conseil là, mais il estime dans situation pays arrivé là, il souhaitait au kembemen à conseil là pour rétablir l'ordre public à qui on retour dans l'ordre constitutionnel. Question conseil là, moi-même personnellement, et c'est pas un bagage que trop d'accord avec parce que l'aime connaît et nous même haïtiens comment nous y nous difficile pour nous entendre nous trois monde qui n'ont qu'à telle mairie ou un problème qui gagne malgré ont fait campagne ensemble mais l'arrivée là avec conseil qui gagne 9 membres qui sont dans divers secteurs n'est pas facile pour nous entendre et au cas commencer ouais ça déjà mais nous pensons dans ça nous y là faut une sortie là-dedans parce que la population souffre trop aujourd'hui nous pas capable encore. Nous pas capable encore et c'est pour ça quel que soit ça nous joigne qui ca faciliter que nous sorti dans ça nous est là nous obligé qu'embé mavel et que pour mener nous dans élection pour que nous capable retourner la normal jodi en son question sécurité et moun qui dans conseil là si ça yo pas capable prendre responsabilité ça parce que nous sommes passé 32 mois là hein nous ça ça bail kounya nous pas capable venir recommencer n'en perd du temps faut conseil à mettre le travail rapide pour que question sécurité li commencer attaquer. Pour Dorsena Jabel, qui c'est un citoyen qui a suivi de près évolution conseil là, même si lui-même li d'accord, mais li estime gagne un retard par rapport à ça qui était doit être fait
dans avancement yo. En tant que monde qui suivre depuis la préparation conseil là, me senti que pour moi-même que conseil en retard parce que ça moi capitaine ni ça le pour le faire. Pour moi-même parce que son conseil qui t'a pour finir avec critère de et président, premier ministre et gouvernement. Et ça fait mon petit en plus et bien dans le conseil là. L'on parle de conseil, on parle de un gouvernement salut public. Parce que ça me vient de mettre tout parti politique là. Et c'est une chance pour que le pays a gagné là, je dis là, pour que ça passe de à terre là, pour ne pas arriver encore. Parce que nous, gros pays, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas faire une porte, tout le monde est prisonnier là. Moi-même, m'encourager le référendum, non? Et puis, sécurité, c'est le premier bagage que tout le monde attend, avec élection à la suite. Germain Lesage lui-même souhaitait pour pays à joindre une chance à conseil ça pour rétablir sécurité sur tout territoire. Nous souhaitons peut-être nous avoir une chance avec neuf membres qui, en tant que humain, en tant que monde, qui t'a dit qu'il y a une sécurité dans le pays. Propre nègre qui crée une sécurité en yo, a choisi un territoire pour tout le monde qui a vécu bien. Depuis Jérémy, pour Mackinson Charles, pour VOA Creole. Et puis dans le pays de la France, c'est la mort Bernard Pivot, une grande figure dans la question de télévision, dans la question de littérature que Haïti a remé tout. Et il a gagné un problème cancer. Donc, il est mort dans le pays de la France. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir. Ça raconte des histoires de jeunes gens que moi, je suis vieux.